Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième manche du championnat 2006 de Formule 1, saison 2, on va dire, avec la BMW du coup. Et on va partir du coup pour la séance de qualification. Nous sommes à Sepang en Malaisie pour une nouvelle heure de qualification en F1. Tout est prêt, alors sans plus tarder, passons à la première séance. Allez, on va perdre de temps, on y va. Bon. Voilà. On va voir ce qu'on peut faire ici. Bon, je sais pas, j'ai pas eu le temps de faire vraiment des gros essais de performance, on va dire. Du coup, je pourrais pas trop vous dire. Mais évidemment, on va essayer de faire au moins aussi bien qu'à Bahreïn, c'est-à-dire marquer des points. Ou mieux. Je pense que ça va être l'objectif, en tout cas pour les premières courses, hein, tant de voir vraiment le niveau global des autres. Un circuit très piégeux, un circuit de Sepang avec les vibreurs et tout. C'est compliqué. Alors, ce genre de truc à ne pas faire, que je vais me faire évidemment. Mais en gros, la accélération un peu trop forte, c'est un virage. On va d'abord essayer de passer en Q2. En tour lancé, ça serait bien. Allez, go, c'est parti. À l'extérieur là. Ouais. Le plus dur, c'est vraiment d'avoir une accélération assez progressive. J'ai pas fait un temps extraordinaire. Nickelfeld achève son tour complet. Thiago Monteiro réalise un nouveau temps. Vito Antonio Liuzzi achève un tour de qualification. Ouais, évidemment. Il fallait que l'huile arrive au bon endroit du virage. Et on est 14e, hein. C'est pas super. On va faire... je vais quand même le réglage de la voiture s'il y a un truc qui a bougé, comme on sait jamais. Sinon... Bon, on va laisser par défaut, de toute façon je suis habitué. J'ai pas fait un très bon chrono, hein. Enfin pas un super... Oh, 32-3 pour Alonso. Je crois que j'ai gêné Williams en plus. On va voir si je peux être plus rapide qu'elle.
Merci la Williams, merci Rosberg, comme d'habitude. Allez go! De toute façon, j'ai trop tard, hein. J'ai déjà gêné. On est en train d'entraîner pour la course. C'est ici que je m'étais loupé tout à l'heure. Donc je vais me relouper d'ailleurs, je suis trop à l'intérieur maintenant. Comme ça tout à l'heure, ça serait bien. Nico Rosberg réalise un nouveau chrono. Rubens Barrichello termine son tour complet. Un résultat assez médiocre. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Oh mais c'est pas vrai! Vite Antonio Giulzi achève un tour de qualification. Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Ah j'ai pas eu trop de temps. Je sais pas par quel miracle je pourrais réussir à faire un bon temps là. Bon après je vais avoir l'essence pour le tour d'après donc peut-être encore une chance. Scott Speed réalise un nouveau temps au tour. Ah si je pouvais le prendre comme ça tout à l'heure ça serait bien parce que là je l'ai plutôt bien pris. La voiture était partie sur le côté, du coup j'ai ralenti trop. Vite Antonio Giulzi achève un tour de qualification. Il doit être déçu. Ses réglages ne semblent pas adaptés au circuit. Oh! Ah j'ai glissé, j'ai glissé. Faudrait vraiment que je réussisse un dernier secteur de fou pour que ça ait un gros impact. Fernando Alonso boucle son tour complet. Ah, j'ai pas fait mieux. Bon, bah, il faut espérer que ça passe. Malheureusement. Il a fait ce que l'on attendait de lui. Vraiment. Ah, mais j'ai amélioré mon temps. Je suis 13ème. Ok, donc j'ai réussi à faire mieux quand même. On va faire. On va quitter la séance. Hein. Nous poursuivrons dans quelques instants. Et on est passé. Par contre, Villeneuve, lui, n'est pas passé. Il est 17ème. Bon, bah, du coup, on est devant notre coéquipier. Donc, premier objectif, on va dire, du week-end atteint. La première séance est terminée. Nous connaissons les occupants des positions. On passe à la Q2. Cette nouvelle séance va déterminer les places.
passe 11 à 16 et les 10 pilotes qui prendront part à la séance de classement en tête. Alors on aura un peu plus de temps, par contre pour taper la Q10 ça va être compliqué, pas la Q10 là. Les 10 premières places pardon. Là par contre ça va être chaud. Bon, je pense que je peux gagner quand même pas mal de temps, hein. Je pense que je peux gagner peut-être une seconde encore, enfin au moins 5 dixièmes. Il me ferait passer en 33 normalement. Vous voyez comme ça glisse là quand on freine trop. Je pense aussi qu'il pleuvra pas. Parce que peut-être que ça peut arriver, on a déjà eu ça l'année dernière. Allez, c'est parti. Et évidemment. On va se faire gêner. Alors, c'est McLaren, donc peut-être pas en fait, mais. Non, peut-être pas. Finalement, ça peut être une bonne nouvelle. Ça va nous permettre de. Essayer de la suivre. Ah, malheureusement, j'ai pas eu du temps là. On a eu le coup de frein là. Ah, c'est pas comme ça, je vais réussir à faire un meilleur temps, ça c'est sûr. Ah, je suis en 32 dans ce sport. Nickelfeld achève son tour complet. Il doit être furieux. Sa voiture n'a pas cessé de baloter. On va voir avec mon essence. Vite Antonio Liuzzi achève un tour de qualification. Il doit être très, très déçu. Un chrono à oublier, vraiment. Je peux encore améliorer, hein, par contre. J'ai pas fait un deuxième et troisième secteur particulièrement bon. Quand je vois la vitesse de la McLaren, ça fait peur. Allez, gros freinage, mais on gagne du temps. Parfait, 6 dixièmes de mieux. Je suis loupé. Ah, vous avez vu, ça a chassé, j'ai pas pu reprendre. Alors, j'ai peut-être perdu un peu moins de temps, mais bon, le tour va pas être exceptionnel. Felipe Massa, Jenson Button, Nico Rosberg, Christian Klien, Mark Webber, Michael Schumacher, Kimi Räikkönen. Je vais faire mieux, mais c'est pas. Sont tous sur le circuit. Allez, 50 secondes, enfin 50 secondes. Non, il me reste 10 minutes encore. 10 minutes encore, on va revenir au garage.
Pour l'instant, c'est le 12e temps. Ok, donc le premier secteur est pas trop trop mal encore, mais c'est vraiment le... Ah ouais, le deuxième, ouais. Le deuxième, je suis vraiment à la rue. C'est double droite, hein, assez compliqué. Par contre, dans le deuxième, je suis ok. Et si je veux rentrer en Q3, il faut absolument que je fasse 4-5 dixièmes de mieux. Je peux le faire. Je pense que c'est possible. Mais il va falloir vraiment faire zéro erreur du début jusqu'à la fin. Ce qui est pas mon fort, hein, vous le savez. Attends, chauffer les gommes quand même là. C'est bon. Ah, ici, je sais pas quand le prendre à chaque fois, hein, c'est compliqué. Je suis assez à l'intérieur, ça marche bien, ouais. Allez, on va voir le premier secteur déjà. Que le chat était sorti. Bon, je suis désolé, j'ai le chat qui me gêne en même temps, c'est magnifique, c'est pas le bon moment, mais tant pis, j'ai pas le choix. Enfin, si, je peux exterminer le chat, mais. Je pense pas que ce soit très bon à manger. Oh là 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 là, la perte de grippe là. Ah, c'est pas bon. Hein. Non. Bon, va falloir retenter notre tour là. Bon, j'étais qu'à un dixième, hein, donc j'aurais pu faire mieux peut-être à la fin, mais. Aïe. Bon, on va retenter. Allez-y, passez, qu'on n'en parle plus. Vite, 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 s'il vous plaît. Il reste 4 minutes en plus pour essayer de faire mieux. Allez, c'est parti. Avant dernière tentative, je crois. Nickelfeld achève son tour complet. La voiture semble moins bien marcher que prévu. Allez, on enchaîne. Bonne accélération. Pour l'instant, on est en avance dans le premier secteur par rapport au dixième. Je suis loupé. Ah, j'ai relâché la direction, j'aurais pas dû. Moins bien équilibré.
du coup je suis en retard. Vite Antonio Liuzzi achève un tour de qualification. C'est bon, c'est passé, Yudi a failli me faire tout perdre là. Avoir dans la ligne droite maintenant. Allez, dans la ligne droite peut-être. Ah, je suis 12ème encore, j'ai pas réussi. Bon, il me reste une tentative. Sauf qu'évidemment, je vais être gêné. On est 3 dixièmes de retard dans le premier secteur. Un premier secteur déjà. Ah, c'est bien. C'est fichu. C'est fichu. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. 12ème, c'est déjà mieux que rien. On va faire quitter la séance. Nous allons passer à la et du coup, bah, on n'a pas réussi à aller en Q3, donc c'est un peu plus difficile, hein, vous l'aurez compris, que Bahreïn. Bon, après, on n'échoue pas de beaucoup non plus, hein. Enfin, si, quand même 5 dixième, mais ça va plus être pire. Allez, du coup, bah, la troisième, on l'a pas la faire. On va faire quitter... non, on va faire retour. Quitter la séance. J'ai bien envie d'augmenter un peu l'aileron arrière, mais... J'hésite un peu. De très belles qualifications, vraiment. Rendez-vous demain pour la course. Au revoir. Alors, on va faire continuer. Je suis toujours un petit peu. Toujours le chat derrière qui fait n'importe quoi. Magnifique. Allez, on va faire début de la course. Bon, là par contre, il va falloir être concentré de fou. J'espère que ça va bien se passer. Je vais peut-être augmenter un poil le son du jeu. On va augmenter un peu le son du jeu. On va mettre. Ouais, je pense que ça sera pas mal. Allez, c'est parti pour la course. Va falloir faire de bêtises. Je suis déjà en sueur, alors que ça n'a même pas commencé. Plus que quelques secondes avant le début de la course, on sent vraiment la pression monter. Et la course a commencé. Au départ moyen. Très moyen. Ah, quoique. Allez, on va tenter l'intérieur, on va faire gaffe. Bon, on va toucher un peu. Ça va, ça aurait pu être pire. Attention, il y a une McLaren sur le côté. Ouf, ça fait très très mal se passer ce premier virage. Chercher peut-être la Ferrari, ouais, ça c'est un peu exagéré. Ouf, je crois que j'oublie que j'ai de l'essence. Button est quand même derrière, ok. Ah, je me loupe, et le chat qui m'emmerde comme d'habitude. Allez. Il faut que je tienne, faut que je tienne. On va essayer de couper l'aspiration. C'est vraiment ce virage là. Cinquième, il a perdu une place par rapport à sa position sur la grille de départ. Massa est sixième, Hedfeld est septième et Button occupe la huitième position. Deux secondes et demie de mieux dans la première portion. Je
Ouais, ça va, je réaccélère un peu mieux du coup. Une demi-seconde de mieux dans la deuxième portion. En poisson, j'ai un rythme correct, c'est déjà bien. Toujours peur de partir en glisse de l'arrière, hein, c'est pour ça que je tente pas à fond. De toute façon, je m'éloigne légèrement de Button. Ouais, pas mal, bonne accélération sur la Ferrari peut-être maintenant. Oh là 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 là, attention, ouais, l'accélération. Ouh, l'aileron qui part. Oh, oh, enfin l'aileron, l'appui qui part derrière. Failli faire, ça m'étonnera, hein. Oh, et devant. J'ai failli me faire avoir comme à Bahreïn. Tu es en 6ème position pour l'instant. Allez, pour l'instant c'est bon, on tient toujours derrière Massa. On va essayer de le suivre, hein. Il y a un bon lièvre devant. Barrichello 3ème, Barrichello il est super bon, hein, cette année. Là, on sait pas, j'ai pas trop parlé de temps. T'as gagné 2 dixièmes dans la 3ème portion. 2 dixièmes de mieux, c'est pas mal. Effectivement, il va falloir faire gaffe parce que. De ce Grand Prix, Alonso est premier, Schumacher est deuxième. Premier secteur, il y a du. Troisième. Barrichello. Ouais, t'es juste devant, ouf. Felipe Massa, 5ème. 6ème, Hedfeld. Allez, 9 tours sur 12. À la 7ème place, Button, il a progressé d'une place. Et Raikkonen est en 8ème place. On va faire attention aussi à l'usure des pneus, hein, parce qu'après ça va être compliqué. Ouf, heureusement j'ai freiné plus fort que prévu, parce que sinon c'était compliqué. Il y a le chat qui est posé sur le clavier, s'il te plaît, le chat, c'est pas le moment. Allez, va-t'en. Comme ça, vous l'avez en direct, c'est magnifique. Où est ma souris? Non, ça va aller sur l'autre côté, heureusement. Il y a la trace de ville, mais j'ai l'impression que ça n'impacte pas l'auto maintenant, donc ça, ça va. J'arrive pas à me concentrer, c'est difficile là. Tous les événements extérieurs au live. Si vous avez un chat, vous savez ce que ça fait. Il faut que je reprenne du rythme, sinon ça va être compliqué. Pour l'instant, on est pas mal, hein, donc on va essayer quand même de tenir. Fernando Alonso se donne maintenant à fond. Il vient de faire un temps de 1:33:40. Ah, je vais essayer de rattraper la Ferrari quand même. Je pense que c'est faisable de coller un gap sur Button. Il faut pas que Button revienne. L'écart est maintenant d'une seconde et demie. J'ai quand même commencé à avoir un peu de mal par contre, hein, déjà. J'espère que ça sera partout pareil, enfin, ça sera pareil pour les autres.
Ouais, ça va, j'aurais pu mal le prendre, mais ça va. Ça a plutôt bien passé. J'ai du mal à récupérer le grip sur le fin du virage. Ça, par contre, j'avais pas ce problème tout à l'heure. Malgré que j'avais plus d'essence. Il est en train de revenir. Surtout pas que je lui donne l'aspiration. Alonso, continue à mettre la pression. Le chat, en plein milieu, s'il te plaît, va-t'en. Il vient de faire un temps de 1:33:47. Il distance clairement Michael Schumacher. L'écart a été porté à 1:06. À mi-course, Alonso est premier. Schumacher est deuxième. Fisichella, troisième. Barrichello, quatrième. Felipe Massa, cinquième. Sixième, Hedfeld. À la septième place, Button. Et Raikkonen est en huitième position. J'ai loupé ma corde, pareil. Heureusement, il y a des endroits quand même que j'arrive à passer un peu plus rapide que la barre. Voilà, bonne accélération, ça c'est bien. Alors Massa, il est encore en bout de ligne, on le voit plus, hein, Massa. Ah, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. 5 secondes, 5 de retard sur Massa. Je vais m'éloigner un petit peu de Button. T'es jamais allé aussi vite dans la première portion pendant cette séance. C'est plutôt une bonne nouvelle. Si je rentre un petit peu plus avant, comme ça m'évite de perdre le grip. Voilà, nickel. T'as gagné 2 dixièmes dans la deuxième portion. L'avantage d'avoir fait une première saison quand même, c'est que ça élimine certaines erreurs que je faisais avant, que je fais un peu moins maintenant. On va voir si on a gagné du temps sur Massa, tiens, parce que t'en étais à 5 secondes 5. La fin est en vue, plus que 5 tours. Nous en sommes aux deux tiers de la course. Alonso est premier, Schumacher est deuxième. Fisichella, troisième. Alors, 5 secondes. On gagne un petit peu de temps, mais... C'est pas assez hein, pour pouvoir espérer quoi que ce soit. 5e, 6e, Hedfeld. À la 7e place, Button. Et Raikkonen est en 8e position. Il va falloir que je fasse tenir ses gommes jusqu'à la fin. Bien, c'est ton meilleur temps dans la première portion. Voilà, on est pas mal aidé, j'allais dire, par l'essence en moins. Et un peu moins par le grip.
Oh, ben on sent le stress quoi, vous imaginez même pas. Incroyable. Ah, pas le stress, mais la concentration que j'essaie de garder. Ah, je reprends un peu de rythme. C'est pas grave, on va reprendre. Et voilà, j'ai glissé de l'arrière. Et en 3 secondes, j'ai déjà perdu l'avance que j'avais récupérée. Que je donne l'inspiration. Ah, je fais 3 secondes dans ce tour-là. Il va voir l'intérieur, vous allez voir. Mais ça va, je suis resté large. Alors, il y a un drapeau jaune dans la troisième secteur, bon, mais c'est pas pour nous, je pense. Ok, pas les drapeaux. Pff, il y a Raikkonen aussi là-bas, mon dieu. Non! C'est pas vrai! Et ben voilà, l'erreur est tombée maintenant. J'ai même failli me faire dépasser, je me suis fait accrocher! Et je me suis fait accrocher par l'autre Toyota, mais c'est pas possible! Aïe 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 aïe, ah non, mais j'ai pas eu de bol là par contre, parce que la deuxième Toyota, franchement. Et bien qui est derrière nous maintenant. Ah là 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 là, non. Alors qu'on entame les derniers tours, Alonso est premier, Schumacher est deuxième. Je sais pas si je pourrais revenir sur Coulthard ou Schumacher, on va voir hein, mais 4 tours ça va être compliqué, combien de temps d'écart il y a? 4 secondes, 6 secondes, ouais. Attends, je suis obligé d'aller à fond, j'ai pas le choix. Attaquer, hein. J'ai aucune solution. Malheureusement, on est sorti des points. Ah ouais, mais alors autant, bon, c'est vrai que j'avais perdu les points avec la première Toyota, autant la deuxième, je pouvais pas faire grand chose. Mais là, je me fais avoir à chaque fois parce qu'en fait, je vais vers l'intérieur trop vite. J'ai l'arrière qui est en train de mourir, hein. J'ai la gomme arrière qui est morte là. Pff, ouais, je tourne lentement. 4 secondes 9? Pff, ouais, ça va être chaud. Oh, yeah, on va y aller de toute façon, j'ai rien à perdre là honnêtement. Même si j'abandonne, ça sera pas grave, parce que de toute façon je suis plus dans les points. Eh oui, sauf qu'évidemment. Il a fallu que je me loupe. Bon bah, j'aurais pas tenu jusqu'au bout. Fisichella 3ème, Barrichello 4ème, Felipe Massa 5ème, Jenson Button est 6ème. Alonso le pilote le plus rapide. Non, j'ai pas eu trop de temps, même Coulthard c'est mort. Je suis à 6 secondes, là au moins 7, 5 secondes 6. Bon, j'ai tenté, hein, j'ai tenté, 5 secondes en 2 tours. Ça va être compliqué, pourquoi pas. Ouais, je tourne 2 secondes et demie plus vite par tour. Alonso continue à creuser l'écart. Ils sont maintenant séparés par 2 secondes 8. On dirait que Michael Schumacher vient de gâcher sa chance. Alonso a tenu bon et a montré qu'il avait vraiment la hargne. Il ne va pas lâcher.
Alonso a entamé son dernier tour. Le 6 dixième dans le nombre de mieux que tout à l'heure. Est-ce que je reviens sur Coulthard? Non, j'ai pas bien pris l'intérieur. Secondes, ouais, je reviens, mais c'est pas assez. Quand je me mettais en tour, je me dis que j'aurais pu aller plus vite dès le début de course en fait, mais il y a trop à perdre. Là, vraiment, je suis à fond, mais il y a trop d'erreurs possibles. Je crois que je suis jamais allé aussi vite. Malheureusement, c'est trop tard, mais. Non, je crois que non, je sais pas fini finalement. Et marque ainsi 10 points bien mérités. Michael Schumacher prendra la deuxième place. Bon, bah, c'est dommage. C'est dommage, l'erreur, ouais, l'erreur fatale en fait, hein, vraiment. Hein. Enfin, l'erreur cumulée avec une autre erreur pas cool. On va regarder mon temps autour, je suis en 33,6. Ouais, bon, bah écoutez, un peu déçu, mais bon, honnêtement. Ça aurait pu largement être pire, hein. J'aurais pu me faire rentrer dedans dès le début, avoir un accident vraiment pire, donc ça va, on va dire. Comme tous les circuits d'Hermann Tilke, donc du coup Alonso, Alonso qui finit premier, Schumacher, Fisichella, Barrichello, Massa, Button, Raikkonen, Trulli. Ah ouais, on aurait pu finir 6ème si j'ai pas fait de bêtises. Bon là au mieux j'aurais peut-être perdu du temps sur Button, mais j'aurais pu contenir je pense Raikkonen sur la fin. C'est toujours fascinant de voir les pilotes. Ouais, trop. Et c'est Schumacher qui m'a décimé à la fin. On a adoré, c'est mort. Et on espère que vous aussi. Rendez-vous dans 2 semaines. Villeneuve qui finit 12e. Donc on a quand même réussi l'objectif numéro 2, on a trouvé l'objectif. Hein. Pour l'instant, c'est battre mon équipier en qualif, battre en course et marquer des points. Pour l'instant, c'est mon objectif, je pense, le plus faisable. Donc on finit pas à la porte des points, mais bon. 2 sur 3. Et l'abandon de Montoya, Rosberg et Idé. Du coup, au classement, bah nous on va reculer évidemment. Hein. On se retrouve 9e. Villeneuve lui monte au 14e rang. Et côté constructeur, bah on va se reprendre un peu des points, je pense. On est toujours 5e avec 2 points finalement, on a du bol. Toyota 6, Ferrari, Honda, Renault, McLaren, Sauber, Toyota. Et derrière, STR, MF1, Aguri. Ok, bah écoutez, on va se retrouver, je crois que c'est l'Australie hein, normalement. En 2006, c'était un peu particulier, ouais, c'est ça. C'est le Grand Prix d'Australie qu'on fera la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de faire mieux, même si c'est très difficile comme circuit aussi. Peut-être que je peux y arriver, enfin, je vais voir, mais je pense qu'il y a moyen de faire peut-être un peu mieux qu'en Malaisie. Même si en Malaisie, franchement, les points là. Aïe, 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 il y en était pas mal. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde.